Ok, il y a un fantôme qui est entré. Comme par hasard quand Foxy arrive. C'est louche, hein. Là, on a une main géante. Ok, nuit numéro 2. Qui est Paul Beer? Est-ce que Paul Beer est pas en train de nous manipuler, les gars? Avec le Balloon Boy? J'aime bien leur Balloon Boy, comment il est fait. Ok, on revient dans Limbo, les Limbes. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah, tu es revenu? Comment était ta première nuit, alors? Ben, c'était horrible. C'était horrible, monsieur. J'ai jamais rien vu de pareil. Il y avait beaucoup de paranormal activité, ouais. Comme suspecté. Donc ça fait des années que le même fantôme, il hante les JRs. Donc les JRs, c'est les animatroniques qu'on voit. Il fait toujours le même tour. Ok. Attends. Alors s'il y a un fantôme dans le vrai monde, pourquoi tu n'es pas capable de le faire toi aussi? Tu l'as fait l'année dernière. Il répond pas, ok. Bah sinon, il n'y aurait pas le jeu. Il répond pas. D'accord, bien. Tu m'as eu. J'ai menti. N'importe quel fantôme peut revenir dans le vrai monde. Je suis assez énervé. J'ai peur de pas pouvoir revenir. J'étais caché dans ce costume depuis tellement longtemps. Un fantôme qui a peur des fantômes? Un peu, je pense. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Je suis fatigué d'avoir peur d'elle. Donc, le fantôme, c'est une femelle, apparemment. Elle me laissera pas avec mon âme intacte. Elle me réduirait en pièces si elle savait que j'étais ici, avec toi. Mais maintenant que tu es là, tu peux m'aider, en te débarrassant du fantôme une fois pour toutes. Ouais, je suis pas sûr de ça. Je me sens comme un poisson sur un hameçon. Non, tu as raison. Parlons plus demain soir. Ok. Je pense qu'il se sert de nous. On va faire la nuit suivante, les gars. Ok. Ok. Alors, on va faire la strat de la boîte à musique. Alors là, il y a de la musique. Si je vois un animatronique, c'est le coupable pour moi. C'est parti direct, la musique. Ok. Freddy en train de chanter? Non. Ah, il y a la musique ici. La musique qui est synonyme de marionnette. Et où est la marionnette? Toi, tu me fais peur. Donc ça, c'est Foxy. Hein. On a le crochet à peu près, ouais, ici. Il faut que je regarde les traces de mains et les lumières qui clignotent. Ok, on a les deux ici. Peut-être qu'ils sont pas coupables. Foxy et Chica ne sont pas coupables, on va dire. Ah, je sais pas, en vrai. Ah, c'est vraiment compliqué, les gars. Mouvement bizarre. Ah, y'a quelqu'un là? On a la musique de la marionnette. Je pense pas que ce soit Foxy. J'ai envie de tenter Chica. Chica bouge beaucoup. Alors, stabilité. Chica. Oula, j'ai fail, c'est descendu d'un coup. Oh. Ok, je vais mettre à réparer Chica, je pense. Stabilité. Call Chica. Et du coup, convoyeur. On va mettre Chica sur le convoyeur. J'espère que Chica n'est pas hanté, sinon on est mort. Du coup, ça sera forcément un autre. Si c'est pas Chica, c'est un autre. Je me suis trompé, donc on va réparer Chica. On a rien ici. J'ai peur. En tant que convoyeur, j'ai peur. Ok, on a rien ici. C'est assez bizarre, il y a une genre d'aura bizarre verte là. Ah! C'est Foxy! On va dire que c'est Foxy. Pardonnez-moi si c'est pas Foxy. Yes! C'est Foxy. Par contre, attendez. Je vais recheck la stabilité, j'ai pas fait gaffe. Oh, attendez, Chica, c'est tellement faible. Convoyeur, c'est bon. Je crois que je vais crever, attendez, regardez le Chica. Ok, il y a un nouveau fantôme, les gars. Il a hanté une nouvelle personne, un nouvel animatronique. Ok, toi t'es qui? Tu ressembles à lui, mais en... Ah! Et ouais, Chica n'avait plus de stabilité. Oh mon dieu.
coup, c'était Foxy. J'avais raison. Eh oui, mais il n'y avait pas que Foxy. Et il a re-hanté Foxy derrière. Ok. Coucou, une nouvelle journée qui commence. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, faut checker les traces de main, des caméras qui clignotent. Pour moi, elles clignotent toutes. Ok. Il y a un fantôme qui est entré, comme par hasard quand Foxy arrive. C'est louche, hein. C'est très très louche, Foxy. Pour vous, ça clignote là ou pas? Ah, je sais pas, je sais pas, j'en sais rien du tout. Allez, Foxy, toi. Déjà, je suis rancunier de tout à l'heure. Je veux dire que c'est toi. J'espère que je fais pas de bêtises. L'erreur de ma vie. Ok, du coup, Foxy, on va l'envoyer dans le convoyeur parce que j'ai fait des bêtises. On va l'appeler... Cole. Hop là, convoyeur. Et je crois que le convoyeur est ici en fait. Donc vite. Clignote ou pas? Y a du mouvement ou pas là? On va aller voir. Est-ce qu'il est arrivé lui? Ok, je crois qu'il est arrivé. Entrez. Oh, c'est horrible. Ok. Je le jette à la poubelle et... Ok, on met nouveau. Je viens de comprendre, yes. Coucou. Ok, du coup, le coucou, ils en sont où? 75, 97. Ah, bah du coup, ouais. Faut pas que je répare le mauvais, mais pour l'instant, on n'a pas trop d'indices. Pas trop d'indices. C'était pas toi, du coup. Bonnie. Après, faut regarder s'il y a des traces de main blanche, mais honnêtement, j'en ai pas vu, moi. Ok, il y avait la marionnette là. On l'a entendu. On peut pas la voir, mais on l'entend. Oula, toi, tu fais flipper, mec. Je pense qu'on va en tenter un. On va tenter. Ça clignote ou pas là? J'en ai aucune idée. Vous savez quoi? On va tenter. Freddy. On va tenter Freddy. Désolé si je me rate. C'était pas lui. Oh! Vite. Non, non, Freddy, Paul. On va le convoyer. Bah, du coup, si c'est pas Freddy, on va en tenter un autre. Au pif. Je dirais... Chica, Chica, j'aime pas Chica. Je t'aime pas trop. C'est pas Chica. On s'est foutu dans les problèmes. Les problèmes, les amis. Ok, je t'enlève la pièce. Je te donne la nouvelle. Je t'appelle vite Chica. Chica, Chica, Chica. Chica, Chica, Paul. J'espère que tu vas... Ah ! Trop tard. C'est descendu à zéro. C'était Bonnie. Bonjour, je suis un loser. J'ai du mal. J'ai du mal. Ok, on trouve une salle qui clignote. Ok, là, il y a le fantôme. Il vient d'arriver, il vient d'hanter un costume. Donc... S'il nous montre l'endosquelette, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être ça bouge légèrement. Et faire en sorte que... Qu'on voit qu'il n'y ait pas de mouvement, non? C'est ça? La clientèle, là, non? Ils disparaissent. Pour moi, un mec qui disparaît, de base, il est douteux. Hein. Il est hanté. Donc je me suis trompé, pour la musique c'est vraiment la marionnette, ça n'a rien à voir avec les animatroniques hantés. Ça peut être la marionnette qui est hantée par contre. Si ça clignote à l'endroit où il y a la musique et qu'il n'y a aucun autre animatronique, c'est que c'est la marionnette. Là on a une main géante! Et il y a qui ici? Les gars, j'ai une main géante ici.
Vous la voyez? Freddy. Pablo. Moi, c'est Freddy. J'espère. C'est pas Freddy. Paul, on va te réparer parce que j'ai fait les bêtises. Je comprends pas. Il y avait la main. Il y avait une grosse trace de main. Mais il y avait que Freddy dans la pièce. Donc je me rappelle qui était là avant lui, c'est ça? Ok. On va te réparer. On se dépêche. On en est où au niveau de la stabilité? Ça descend. Chelou ici. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une légère trace de main. Est-ce que ça serait pas Bonnie du coup le coupable? Si c'est pas Bonnie, c'est la marionnette. Il y avait une légère trace de main, c'était léger. Je sais pas si vous pourrez le voir. C'est toi. Yes. Yes, yes, yes. Là, on a géré. Du coup, vu qu'on sait que c'est pas lui, on va appeler. Un au pif, on va appeler Chica pour réparer. Vu qu'on a banni un fantôme, c'est qu'il est pas là. C'est le même fantôme qui revient plusieurs fois. C'est-à-dire que pendant ce court laps de temps, on est tranquille, je pense. Et on en profite pour les réparer. Ok, il est déjà arrivé là. On va savoir si je me suis pas trompé. Chica est horrible. Dégage. Ok. Du coup, on aura réparé quand même. Ah, ils sont low, hein. Ils sont low, les autres. 50, c'est juste. On va bien checker les traces de main. C'est subtil, les amis. C'est très subtil. Là, ça grésille. Et j'entends la marionnette. Du coup, il y en a deux dans cette pièce. Mais la marionnette, on peut pas la voir. Pas de traces de main ici. Bonnie est là. Ça peut être deux fois le même, hein, vous vous rendez compte? Il y a une légère trace de main. Si on a légèrement une trace de main, j'ai l'impression. Est-ce que c'est de la saleté? Non, c'est plus de la saleté. Ah, c'est pas évident. Hein. Ah, ils sont deux. Ah, ce jeu est horrible. Une trace de main là. Ah, j'ai un doute. On va peut-être le faire sur Foxy. Hein. Ah, ils sont low. Ah, vous savez quoi? On va crever. Yes, c'était le bon. Faut que j'en répare un vite. Ah mais je peux pas tous les faire du coup. Oh, ils sont low. Ils sont low de ouf. Stabilité. Toi t'en es où? Toi t'es là. Allez vite vite vite. Et tu es pressé. Belle. Et on remplace par une nouvelle pièce. 18. On va le faire au pif. Je vais appeler le. Je vais appeler Foxy en espérant que ce soit pas lui. En espérant vraiment que ce soit pas lui. Les gars, c'est lui, j'ai fait la plus grosse bêtise. Et ça serait dommage. Ça clignote! Ça clignote et c'est la marionnette! Pour moi, c'est la marionnette. Ok, donc c'était pas lui. Pour moi, c'est la marionnette. Ça a clignoté, il y avait personne d'autre. Marionnette. Yes! Yes! On a compris comment ça fonctionnait. Nickel. Oh là là. Paul Beer m'attend. Quoi? On a une cassette? Après avoir fini la nuit, tu es tombé sur une vieille cassette. Ta curiosité te démangeant? Est-ce que tu la regardes ou pas? Mais bien sûr qu'on va la regarder! Épisode 1, il y a marqué. Yeah! C'est Paul Beer. Donc il tient une pièce dans sa main, d'un animatronique. C'est trop stylé, c'est creepy à la fois.
Ok. Il attend devant une porte. Il y a une genre d'affiche jaune. Mais on n'arrive pas à distinguer. Beware the Mangle. Attention Mangle. Oh non, Mangle va apparaître au-dessus, je pense. La lumière s'éteint. Oh oh, c'est la fin. Vous avez vu, on pouvait voir avec la lumière, il y avait la langue sur Paul Beer. On voyait les dents.